Et salut tout le monde, c'est Onrak de retour sur PZ avec Darcy dans Rosewood. On se retrouve directement à la suite du live qui a eu lieu ce samedi. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu le live, je vous conseille de le visionner, enfin, la rediffusion avant d'attaquer l'épisode, histoire de voir un petit peu ce qui a été fait au niveau de la zone et ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de petits rebondissements. Aujourd'hui, on va aller s'installer dans notre petit quartier. Donc, j'ai mis au sol tous les sacs que je possède. Et ça va être l'heure de faire un tri. Tout simplement pour pouvoir aller s'installer ailleurs. On va voir ça très rapidement. Je vais faire, je pense, un petit accéléré pour tout ce qui est, tout ce qui est transvasé dans les sacs. Parce qu'aucun intérêt. Voilà. Je vous dis à de suite. Et voilà, ça y est, ça a été un peu long. Mais bon, on y est arrivé. Donc tous les sacs sont pleins. Transporter ça dans la voiture. Et ensuite, se faire eh ben, simplement le voyage. Voir si personne ne nous a repris la place comme ça a été le cas la dernière fois pendant le live. Et puis voilà, j'ai oublié le pompe par terre, c'est quand même assez important. Ce qui rentre là-dedans. Ouais, il rentre là-dedans. Ça, j'ai déjà lu. Ok. Sacoche médicale. C'est vrai que j'aurais pu mettre. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire sac par sac. C'est pas ce qu'il y a dehors. Hop là. Allez. On y va. Ah, il y a tout ça à ramasser, mais bon, ça c'est. S'il reste de la place dans le coffre. Par la suite, on le mettra comme ça en vrac ou sur les fauteuils, tout simplement. On va pas s'embêter. Mettre dans le conteneur. Hop. On est bon. Bon, du coup, pour les petits remerciements encore, je tenais à remercier les personnes qui ont pu être là et qui ont apporté vie à ce live. C'était super sympa et je pense que je recommencerai. Comme annoncé dans le live. Voilà, c'est tout. On revient à Darcy, qui elle espère pouvoir retrouver son endroit dégagé. Parce que là, ça va pas le faire sinon. On avait quand même. Ceux qui voient la différence entre l'épisode 7 et maintenant, vous voyez que le compteur de Z a bien augmenté. On a fait un sacré ménage. Mais bon, à partir de maintenant, je pense qu'on va être tranquille vu ce qui s'est passé. Juste un peu plus de nettoyage comme d'hab à faire. Mais bon, rien de bien méchant. Allons-y. Ah, bon, il y a l'air d'y avoir personne. Je me tente un petit double sac, histoire de gagner un peu de temps. Très très lourd. Ouais, c'est très 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 lourd. C'est très lourd. Alors par contre, j'explique aussi pourquoi je prends pas la caserne. Simple superstition de ma part. J'ai eu des mauvaises expériences à la caserne. Hop, allez, dans le coffre. Ah, il n'y a plus de place déjà. Oh là là. Mauvaise expérience. Trois parties d'affilée où ça a été. Comment dire? Plutôt corrompu comme. Comme lieu. Ah, j'ai la fontaine à eau qui est là, c'est vrai. Bah, très bien. Sac de transport, on va les mettre là. Le deuxième. Non, il ne veut pas. Ne dis pas qu'il va falloir que je fasse. Masse de. Oh lolo. 23 sur 26, 30 sur 26. Ok. Alors la petite a soif. Juste, je vais checker le coffre. Je suis à 52 sur 54. Et non, je pourrais rien mettre de plus. À part porter le petit sac à dos directement à la main. On va voir ça. Allez. Soif de chez soif. Donc, du coup, là-dedans, j'avais mis tout le truc en plus. Ça, on va se le mettre là. Comme ça va lui calmer sa soif. Et j'ai quoi par terre? Encore deux petits sacs à dos et la trousse de secours. Il y a celui-ci. Et celui-là. Et on va. Ouais, on va prendre la bouffe. On va prendre la bouffe en premier. On va tester de voir si je peux pas le mettre sur un. De tricher un peu.
faire comme pour la fontaine. Ça m'étonnerait, parce que je crois que la fontaine c'est un seul objet, donc même si ça dépasse le poids, ça fonctionne. Mais pour ça, voyons voir. Hop, le sac à dos sur celui-ci. Ça passe ou pas? Non, ça passe pas. Donc je suis obligé de le garder avec moi. On y va. On va déjà aller... Oh, il y a des petits aides là-bas. On les retrouvera sûrement au retour. Ils vont pas bouger à mon avis. Ou alors à la rigueur se rapprocher de chez moi. Là, on a un petit groupe. Ah, rien de bien méchant. Hop. Voyons voir un peu. Là. Hop. Voilà. Le braquage. Le braquage. Et hop, ici, petit groupe. Non, c'est bien, c'est bien. Ça a pas trop bougé pour l'instant ici. Ici, là. Oh. Oh, là, il y a un peu de monde. Ici, on a des cadavres. Mais on sait pas là qu'on veut s'installer. On va aller se mettre plutôt vers le milieu. Ici. On va laisser la voiture ici pour l'instant. Je vais simplement aller poser ce sac ici. C'est pour marquer que c'est chez nous. Hop, et on va s'occuper des gêneurs. Allez, c'est parti. On a quelques petits intrus. Yes. Oh, ça commence à arriver quand même. Oh. Yes. Allez, on en profite quand ils sont à deux. Allez, une fois qu'on est dedans, s'il n'y a personne dans la baraque, on est tranquille parce qu'ils ne vont pas passer les grilles. On en profite là. C'est un massacre, c'est très très bien. C'est ce qu'on veut. Bon, ils sont en train de polluer notre future pelouse. C'est pas grave. Yes, ça c'était bien. Allez, touche-moi ça. Toi, tu restes dessus, c'est bien, tu les empêches de se relever. Ou pas. On a un petit charnier de plus. Pas besoin du pompe. Oh. Oh, quand même, hein. Quand même, quand même. On est on vient s'installer, on a les voisins qui viennent nous dire bonjour. Allez, on profite. On est à l'intérieur. Allez, voilà. Là. Yes. Elle déchire. Je crois que... Bon, on n'a plus la hache. Franchement, avec la hache, pendant le live, ça a été d'enfer. Mais les armes contendantes, c'est pas mal aussi. Oh, des allumettes. On embarque. On va se faire vite fait la petite session loot. Couteau de cuisine. Ça, c'est bien. Nous a fait un sacré ménage. Rien de plus. J'ai pas l'impression. Non. Et ben voilà. Rajouter quelques aides. Bon, il y en a qui arrivent. Alors, à mon avis, ceux qui étaient, qui nous ont vu arriver, qui nous ont suivis, on va les accueillir bien gentiment. J'aurais bien aimé avoir mis une petite banderole. Allez. Alors, malgré son debuff, j'avoue, elle a quand même pas mal de punch. Ça... Son build, je crois qu'il est pas mal. Bon, allez, homophobe. Mais ça. Viens là, toi. Allez. Ça arrive par vague. Ce serait bien que ça se calme un peu. Ok. On est bien là. Le dernier là. Bon, on va les. On va les éliminer parce qu'ils vont nous embêter sinon.
Venez là. Voilà, petit retournement. Voilà, petit swing. Hop, hop, hop. Le tuyau a lâché. C'est pas grave. On a la hachette. Oh ouais. Parfait. Et parfait. Voilà. Rien d'intéressant. Non. Ok. Bon, bah on va pouvoir déménager tranquille. Je pense que ceux qui nous ont suivis sur le trajet, ce sont tous ceux qui sont arrivés là. Donc on va pouvoir maintenant, hop, principal. Ouais, t'es lourd, t'es lourd, t'es lourd, t'es lourd, t'es lourd, t'es lourd. Go, go. On va poser ça à terre. On verra après, on va tout laisser là. Yes. Poser par terre. Ouais. Tu es essoufflé, t'as tout ce qu'il faut. On va s'accorder un petit break. Petit break pour la demoiselle. Elle l'a bien mérité. Clope dépressif. Je sais pas, les antidépresseurs sur moi. Si. On va en prendre quelques-uns. Ok. Tant que ça fasse effet. Encore un petit. On sait jamais. Non. Ça fait pas grand-chose au final. Bon, tant pis. On va lui faire lire quelque chose, un petit magazine ou autre. Voyons voir en se mettant dans la voiture. Il n'y a pas un petit repos. Ça, c'est dormir. Il n'y a pas le. Non. Non. Il n'y a pas. Bon, tant pis. Hop, ça. On embarque. Ouais, c'était très très lourd. On va tout poser, chercher le reste. J'aurais aimé avoir en fait un sac ou deux de plus. Juste pour pouvoir mettre la bouffe comme il faut. Ou alors je mettrai la bouffe dans mon sac. Je vais voir ça. Même si on fait pas le déménagement en une fois. Qu'on en amène le plus gros. C'est déjà ça. Ok, la fontaine à eau. On va la prendre. Elle va être lourde. On a mal. Voyons voir. On a mal. Celle-là, on va aller la poser. On va la poser. On va la poser. Ici. Pose ça là, en attendant. Voilà. Nickel. Oh. On a un petit volontaire. Allez. Parfait. Y en a-t-il d'autres ? Non, j'ai pas l'air. J'ai pas l'air de voir ça, non. Allez, go, les sacs. Sac de transport. Objet secondaire. Hop. On est bon. Je pense que peut-être le reste, je pourrais mettre dans le coffre directement comme ça, en fait. Ça va pas être très gênant. Vu le peu qu'il y a, à mon avis, dans le frigo et le congèle. Ça risque d'être suffisant. Hop. On va penser à prendre aussi le bouquin qui est entamé. Et les bidons. Les bidons aussi. Je verrai peut-être pour 2-3 trucs en plus. Genre en fringues. Mais bon. C'est pas ça qui presse le plus. Bon, on est déjà pas mal. Ce que j'ai dans le sac à dos. Parce que dans le sac à dos, j'avais récupéré en gros tout ce qui est. Bricolage, on va pouvoir se les mettre. Non, pas ici. Pour l'instant. Il n'y avait pas de caisse là. Non, il n'y a ni d'étagère, il n'y avait rien. Très dommage. Très 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 dommage. On va se les mettre là. On va mettre tout ça là. Ce qui est allumette. Tout ce que j'avais récupéré là. On fera un maxi tri au retour. Ouais, le pompe, le gilet, jarretière, plat routière, ça, ça et ça. Est-ce que tout rentre? Ça devrait. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ah, j'ai des petits trucs à récupérer là. Ah mince, c'est pourri. Dommage. Bon, j'ai une deuxième marmite. Je vais avoir deux ou trois plats à rôtir. Ça, c'est cool. Ça va être bien utile pour se faire de la bouffe d'avance.
Le frigo fonctionne, mais là j'ai peur pour la coupure d'électricité. La coupure d'eau est arrivée vite, on est déjà le 19. Je me demande bien à quel moment ça va arriver. Et j'ai peur que ça arrive très bientôt. Ça, c'est sûr. Alors on ferme. Les cadavres sont en train de pourrir devant chez nous. Ça va être un sacré nettoyage, ça. Ça, je le ferai en. Je le ferai en off. Je vais pas m'amuser à faire ça en record. Pareil, en off, j'irai couper du bois, je pense. Juste couper du bois. Parce qu'on va avoir besoin du coup de monter la menuiserie, de faire nos palissades. Oh, on a encore un peu de monde là. On va les perdre avec nous dans les rues. Allez, suivez-moi. Et vous pourrez prendre des coups de hachette après. Voilà, ceux-là, ah ouais, il y en a plein là. Là, il y en a plein. Hop là. Quelques-uns qui traînent encore. Hein. Tout à l'heure, vous étiez pas là. Hein. Ah, c'est peut-être les petits groupes qui se sont un peu dispersés. Je sais pas. Hop là, conduite de fou, bien sûr. Il y en a 2-3 qui traînent. On va essayer de se garer. Mais on va voir. Oh, ben voilà, le petit groupe vient devant chez moi. Évidemment. Ça aurait pas été marrant sinon. J'en avais plus besoin, c'était fait exprès. Allez, sors vite, ma belle. Et barre-toi. Voilà. On y va. C'est parti pour un petit tour de rodéo. On se les fait aussi. Allez. On vise la tête. Voilà. On vise ceux qui sont à terre. Hop, 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 hop. Ta 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 ta. Heureusement que la vision périphérique fonctionne. Vous êtes incroyable. Incroyable, vous lâchez pas l'affaire. On peut au moins vous accorder ça. Allez. Le temps fa, faut rester concentré, ma belle. Il y a du monde, fais-les tomber. Allez, faut que ça tombe. Hop là. On va sortir la hachette. Plus de dégâts. Voilà. Voilà. Allez. Tu peux le faire. Yes. Oh non, tu faiblis là. La fin. Je sens que tu faiblis. J'aime bien le bruit que ça fait quand tu les achèves. Allez, j'aimerais l'entendre plus souvent. Voilà, merci. Ça, c'est bien. Yes, un de plus. Ou un de moins. On compte comme on veut. Yes. Tu peux. Ouais. Ah, t'es énervé là. Là, elle est énervée. Elle en a marre. Elle veut être tranquille. Il y en a un qui arrive. On profite vite fait pour checker. Il n'y a rien d'intéressant. Et toi, elle se dirige vers toi et elle te met un grand coup de latte pour te finir direct. C'est pas possible. Elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais à être dégagée de tout ça. Hop, un petit magazine, elle le prend parce que voilà, des allumettes, elle prend. Ok. Fard à paupières, elle s'en fout. Même si elle reste coquette, elle a déjà ce qu'il faut. Ok. Eh ben, pas mal. Pas mal du tout. On va aller récupérer ce qui nous intéresse, à savoir ici, est-ce que j'avais d'autres trucs? Une radio. Je la prends. Ouais, elle la prend. Allez, c'est parti. Par terre, on a quoi? Menuiserie volume 1, évidemment. Et 7 bidons, on les prend. On ira se faire un petit tour à la station. Tant qu'on a l'électricité, il faut absolument qu'on y aille. Donc au bout de la rue commerçante, je sais qu'elle est par là-bas. Ici, on a quoi? Non, rien d'intéressant. Et là, ok, on va prendre tout ce qui est là. Tout. Absolument tout. Est-ce que ça rentre? Ça a l'air. Ça, c'est génial. Et congèle.
Oh là là. Sans cesse interrompu. Allez. Viens ici. C'est pas vrai ça. Ah mais c'est... Non mais oh. S'il vous plaît. Pas de démarcheur. Merci. Hop. Rien d'intéressant. Ferme la porte. Et dans notre congèle, on en était là. Ah, plein de trucs qui rentrent pas. Je me demande si dans la sacoche médicale, ça ne rentrerait pas. Ici, de là à là, dans la sacoche. Su. Parfait. C'est parfait. Il nous reste du coup que ces deux à prendre. On a tout le reste. Bah nickel. Nickel, j'ai envie de dire. Il nous reste 2-3 trucs là-dedans. Ouais, pff, barre de métal. On va la prendre, on va la mettre dans le dos. On n'a plus rien pour l'instant. On va... Plaque de cuisson, on s'en fout. Et là, on va faire... je sais pas. Et du coup... bah, je pense qu'on est bon. En vrai, je pense qu'on est bon. Allez, let's go. On finit ça, une fois qu'on sera installé, la journée aura été bien remplie. Hop. Tu veux pas te mettre dans le coffre? Ah, j'étais pas assez prêt. Qu'est-ce que... Non. Je veux pas mettre dans le... container, c'est pas possible. Ça veut pas, hein. Ça ne veut pas. Hop, voilà. On ferme derrière nous au cas où, des fois qu'il y a un petit zozo qui arrive au passage. On a le dernier sac par terre, hop. On est plutôt bien, on peut le dire, ça y est. On va récupérer le drap qui est là. Enlever les rideaux. Parce qu'on va en avoir besoin chez nous aussi. Donc on garde ça. Est-ce que je prendrais pas la mallette de fusil? Si, hein. Hop. Objet principal. Hop. On se fait le petit trajet jusqu'à la voiture. Ça, c'est bon. Y a personne. Sac à dos. Dans le coffre. Mallette de fusil. Dans le coffre. Et ben voilà. On est parti. On dit au revoir à la maison. On a un drap qui reste dans la chambre, mais on s'en fout. Allez. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Une fois que la voiture sera vidée de tout ça. Ah zut, je pensais t'avoir esquivé. J'ai fait l'aile, c'est pas grave. Je pense pas que les assurances m'en voudront. Ah, il avait la casquette, on aurait dit Sacha. La casquette Kentucky rouge, on dirait Sacha. C'est des dresseurs Pokémon. Hop là, allez, on esquive. Il y a du monde encore. Ouais, ça va, en vrai. On a plein de voitures autour. Oh là là, mais par contre, là, ça arrive. Vous, là, je sais pas d'où vous arrivez, mais ça me plaît pas. Je pense que le lieu, il a peut-être... il apporte peut-être un petit peu malheur. Ou pas, je sais pas. Hop, voilà, on va rester là. Nickel. Et on va aller les attendre le pied ferme parce qu'ils vont forcément arriver. Faut bien se le dire, voilà, ça commence. Donc avant d'être confronté à eux pendant qu'on est en train de vider nos sacs et de mettre nos sacs à l'intérieur, on va s'en débarrasser. Tout simplement, 16h50, la journée est bientôt finie. Oh, ça je prends. Non, je peux pas le prendre sur moi, zut. C'est pas grave, c'était juste pour faire monter un peu l'électricité. On verra ça plus tard. Parce que une fois qu'on est installé là, je pense que on va vite s'atteler au skill rapido. Très rapido. Pas plus qu'ils montent, si, ça, si, il y a eux là. Il y a eux, ça arrive. À la fin, elle a envie de fumer. Je me demande si. Je vais pas prendre un peu de bouffe que j'ai dans le sac. Pour la faire manger. Voilà. Là-dedans, j'ai quoi? Ketchup, patate, oignon.
Saucisse, steak, ah non, c'était du congèle. Ah non, rien de. Ah, cookie au chocolat. Allez, mange ton cookie. Très bien, ça va te caler un petit peu. Ouais, à peine. À peine, à peine, à peine. Le debuff est pas aussi important, mais il est toujours là. Allez, go. Elle frappe pas fort, hein. Ça se sent. Yes, au passage là. Ça, c'était bien joué. Ouais. Allez. Elle veut pas tomber. Et si. Parfait. Parfait, tu gères, tu gères, tu gères, tu gères. Bien, bien, bien. Non. L'holster, j'en ai déjà un. Hein. Non, c'est bon. On est bien. Bon, bah, nickel. On va manger une petite glace. Demi-glace. Je vais voir si elle est toujours en perte de poids ou pas. Ouais, ah ouais, elle a perdu 2 kilos depuis la... Depuis le début. Non, enfin, depuis le début. Elle a perdu 1 kilo là, et elle avait perdu 1 kilo pendant le live, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, allons-y. On en est où? Clop. Non, pas ici. On va pas prendre celle-là, ça sert à rien. Hop. On va juste... aller vider ça. Par contre, toi... Voilà, pas fini sa clope, mais c'est pas grave. Je vais la sortir de là. Et on va la mettre là, parce que ça me saoule. Et on va finir cette cigarette. Là, les mouches vont partir après. Hop. Hop, on va ramasser le cadavre. On n'en veut pas à l'intérieur. On va se faire le joli petit tas ici. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, fenêtre cassée, faudra réparer ça. Ça va être dans les priorités absolues. Hop, on a ici de quoi stocker nos affaires. Alors ça, 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 c'est du frais. Ça, je vais mettre au frais aussi pour l'instant. Mais j'ai pas vraiment de préférence. Margarine, c'est au frais, au frais, au frais, au frais. Ça, on s'en fout. Les sauces, on va mettre au frais aussi. Et voilà. Ça, c'est bon. On va pouvoir s'attaquer ensuite au surgelé. Allez, dépêche-toi, ma belle. Nickel. Ça, les légumes, on va mettre aussi au congèle. Là, on a quoi? Rien. Et ça, au congèle. Hop. Et le beurre. Au frigo. Ça, on est dégagé de sur nous. On n'a plus rien. Pensez à mettre une petite poubelle ici aussi. Ça peut être bien utile. Oh! Vous êtes sérieux? Venez me chercher chez moi. Oh là là. Dégage. Allez. C'est pas vrai ça. Je sais pas d'où ils sortent. Mais bon, ils en ont eu pour leur argent. Hein? Vous avez envie d'embêter la petite Darcy. Mais ça marche pas comme ça. Du coup, sac à dos. 2-3 bricoles, mais ça va. Crème glacée, ok. Allez, c'est parti. On ramasse les sacs maintenant. On va prendre ça. Ouais, en premier. Go. Et on va se faire notre petit rangement à la cool. 18h50. Elle prend possession des lieux. Tout va bien. Donc, on va mettre ça ici. Non. J'avais mis ça là. Bah comme en habitude, hein, en fait. Hop. Tout transféré. Ouais. Tout transféré. Let's go. Ouais, dans le coin, je sais pas pourquoi, le coin, je mets les conserves. C'est... Je fais pas ça chez moi, je fais que ça qu'ici. Ensuite, on a quoi? Une fois qu'on aura fini, il va falloir prendre... j'avais ça. Pas que le poivre. Hop, on va le rajouter après. Quand c'est bon, voilà. Du coup, ici... Ouais, j'avais vidé.
Est-ce qu'on se mettrait pas... Ah ben il y en a plein là aussi. On va se poser les sacs par terre. Ouais, on va les poser par terre. Ça au moins on sait où ils sont. Ensuite, le prochain, ça va être... Ouais, on va voir. On fasse dans l'ordre. Ben, j'en ai d'autres ici, là. On va finir avec ça. Allez. Parti. La fontaine aussi. Il va falloir penser à rentrer la fontaine. Histoire d'avoir un peu d'eau. Hop. Hop. Le petit... ouais, bon, on peut tout transférer aussi. C'est parti. Parfait. Est-ce que là j'ai de quoi boire? Ouais, pour l'instant j'ai de quoi boire. On va attendre et on va la faire boire. J'ai la marmite aussi qui peut servir à boire. Marmite remplie d'eau. On va la prendre. Et ça va nous calmer la soif. Yes. Et avec la marmite. On peut préparer. Non, verser dans bouteille vide. Et dans bouteille vide. On va se les remplir. C'est parfait. Tac. Et après, placer l'objet. On peut se le placer là. Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Poser. Hop. Bon. Il me reste ces trois sacs. Plus ce qu'il y a dans le coffre. Mais dans le coffre, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, je vais juste, hop, accélérer le mouvement. Allez, c'est parti. Elle a mal, mais c'est pas grave. Voyons voir ça. Ouais, ça va. On va lâcher les sacs de toute façon. Assez rapidement. On a quoi dans cela? On a encore. Ok. Là-dedans, tout. Hop. Ici. Et tout transféré. Parfait. Ça va l'alléger au fur et à mesure. Et là-dedans, on a les outils. Les outils, eux. Ils vont aller à côté. Je comprends que ce soit un peu lourd du coup. Des conserves et des outils dans les sacs. Bon, là, une fois qu'on est bien, comme je disais, je vais faire en off juste après ça. La récolte du bois. Ah, ça y est, elle est blessée. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va. Ça ira mieux avec une nuit de sommeil. J'irai faire la récolte du bois pour pouvoir tout barricader. Là, je vais passer la nuit. La fenêtre est brisée, mais bon, on va laisser ça comme ça. Mais après, je prendrai la voiture vide et je vais aller. Mais alors couper du bois comme pas possible. Ça sera beaucoup plus simple. Ça va m'éviter pas mal de d'aller-retour. Juste clôturer rapidement. Et voilà. Hop, parfait. Donc tu es trop lourde, mais pourquoi? Il en reste dans les sacs? Non, il n'en reste pas. Allez, on pose. Et on pose. Oh, c'est lourd parce que... ouais, t'as quand même des trucs sur toi. On va manger. Vas-y, ça. Et là-dedans aussi, il y a des trucs. Touk, touk, touk. Direct dans la bibliothèque. Ça, c'est bon. On va faire dans la bibliothèque ça, ça, ça. Et hop là. On va y mettre la radio aussi. Ça c'est bon, ça et ça, on s'en fout, on le met par terre, on nettoiera le sol plus tard. Les bidons d'essence vides, bon, on va faire comme à la maison, hein. On va tout poser par terre. Parce que du coup, ouais, ça va être petit tour autour avec les voitures. En allant couper du bois, je prendrai un ou deux bidons histoire de faire un plein et d'être tranquille. Voilà, en attendant d'aller chercher à la station. Ça, on va aller le stocker aussi. J'avais oublié que j'avais ça sur moi. Tac. Et la deuxième scie, on s'en fout, j'en ai besoin que d'une. Donc ici, outils, on va garder sur nous la scie classique. Et voilà, plus que...
Un petit sac qui est par terre. Je laisse ceux de la voiture. C'est pas pressé. Je vais aller la faire dormir. Elle est bien amochée. Et moi, de toute façon, il faut que je coupe l'épisode. Donc, voilà. On a ici avec nous le matériel médical. Ce qui nous sera fort utile si on a besoin. On est chez nous. On est tranquille. On va aller mettre le médical, du coup, ici, direct. Hop. Et ça, hop. On va tout transvaser dans un seul. Les trucs inutiles. Et celui-là, on se le garde pour nous. Voilà, on a quoi là? Ah oui, l'agriculture et le soin. Donc on va faire ça. Ça on enlève. Ça on enlève. Et on a les bouquins aussi. Ça, ça fait partie du soin. Ça on va le mettre avec. Lingette, liquide vaisselle. Pansement, masque, pince à épiler. Savon somnifère. Et vitamines. Voilà. On est plutôt pas mal. On est bien. On va fermer un petit peu tous les rideaux aussi. Tiens. Hop. Fermer les rideaux. Hop. Ça c'est fait. Fermer la fenêtre. Hop. Personne qui rentre. Et ici, le dernier truc à transvaser pour la journée. Ça. Et Tout ça. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Il nous manque encore plein de trucs, hein, on est d'accord. Notre bibliothèque est juste quand même au minimum, on va dire. C'est le minimum requis. On a des cartes à noter, on a plein de trucs. Et parfait. Quelques VHS. Ça, c'est bien les VHS. Je suis content d'avoir trouvé ça, vu que c'est vrai qu'on m'avait mis en commentaire qu'il n'y avait pas de vidéoclub dans la ville. Mais voilà, je peux en trouver quelques-unes dans les maisons. Et j'avoue que c'est plutôt stylé. L'agriculture, on va mettre ça où? Ici, sous l'évier? Non. Si, hein, je sais pas. Ouais, on va mettre ça sous l'évier. On va mettre ça là, le canard en plastique. On va juste se le laisser en déco sur la table. Voilà. C'est juste pour le fun. Canard en plastique, placer l'objet. Hop, voilà, petit canard en plastique sur la table. Bon, ben voilà, écoutez, très bon épisode. On a fait notre déménagement, on a encore buté du Z, évidemment. Que serait une journée PZ sans buter du Z? Et du coup, c'est cool. Fermons les rideaux, soyons tranquilles. Hop, voilà, là, il y a à faire aussi des petites réparations. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Bon, écoutez, les amis, j'espère que l'épisode vous a plu. Darcy est là, elle continue de survivre à fond. On y croit, là, franchement, elle s'en sort plutôt bien. Elle s'est trouvée une petite zone un peu sympa, là, quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Donc, écoutez, on va voir ce qui nous est réservé pour la suite. Et là, elle va aller se faire son gorododo. Bon, bah, écoutez, en attendant, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.